Salut tout le monde, alors en ce moment on est au jardin de Métis, on vient tout juste d'arriver, là où lieu aussi le Festival international des jardins. Donc nous venons tout juste d'entrer, on va vous faire découvrir les principaux attraits touristiques du jardin. À tout temps. Alors là on vient d'arriver dans à notre premier arrêt, il s'agit du jardin du ruisseau, alors je vous laisse découvrir la beauté. Alors là, je vous amène visiter le troisième jardin, deuxième arrêt. Il s'agit du jardin des pavots bleus. Je vous laisse découvrir le bel endroit. Cinquième et non le moindre, je vous souhaite la bienvenue dans l'Allée Royale. Alors, on est à la Villa des Jardins de Métis, là où il y a une exposition en ce moment sur Robert Wilson Hedford. Aujourd'hui, au Jardin de Métis, on a la chance de pouvoir assister au Festival international des jardins que nous allons vous présenter immédiatement. Alors, au Festival international des jardins, bien, il y a des petites cabanes, comme vous pouvez voir, et dans chaque petite cabane se cache une surprise. Je vous laisse découvrir celle-ci avec moi. On peut écrire des petits mots. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre journée au Jardin de Métis ainsi qu'au Festival international des jardins. On a super apprécié notre visite, les gens sont super bien, les personnels qui travaillent ici sont super bien renseignés. Donc on a passé une super belle visite. À demain!